À cause du départ de Faustine et du suicide de son fiancé Charles Bourrièche, la malédiction s'est abattue sur Azérac. Puis la guerre vint ajouter le malheur de toute l'Europe à la ruine du domaine. Les hommes de la famille, Romain et Antonin, allaient partir pour ne jamais revenir. Léopoldine s'engage dans la Croix-Rouge, puis Eugène, l'ancêtre, et Aline sont emportés par la grippe espagnole. Au milieu de cette tourmente, Thérèse va trouver en Guilhem, son petit-fils, une raison d'espérer. Je reste. En plein jour de deuil, il décide à 14 ans d'abandonner ses études pour sauver le domaine. Guilhem ne manque pas de courage, mais comment tenir une manade avec une vieille jument et sans aucun argent? La chance lui sourit lorsqu'il sauve Mathilde, une belle veuve, qui lui apprend l'amour et lui offre un cheval. Comment vous remercier, madame? C'est déjà fait. Grâce à elle, Guilhem devient un homme conscient du pouvoir qu'il a sur les femmes. Mais un homme sans bien, portant un domaine exsangue à bout de bras. C'est alors que son ami de toujours, le jeune docteur Rache, lui parle d'Amélie Aldebert, une riche héritière protestante. Guilhem parvient à venir à bout des réticences du tuteur de la jeune fille, l'oncle Élie. Banquier genevois et protestant, il était d'abord opposé à cette union avec un catholique, puis cède devant l'assistance d'Amélie, subjuguée par Guilhem. Guilhem, qui pensait faire un mariage intéressé, tombe amoureux de sa jeune épouse. La dot d'Amélie fait revivre Azérac. La jeune fille est venue avec sa femme de chambre, sa presque sœur, la délicieuse Isabée. On pourrait croire que la malédiction est levée. Hélas, peu de temps après, repris par sa nature ardente, Guilhem viole Isabée. Non. Madame, Isabée. Isabée. J'ai un cadeau pour toi. Un pot de confiture des framboises de l'Aigoual que tu aimais tant. Oh, madame. Guilhem, tu veux bien le prendre, s'il te plaît? Il est dans le panier. Charles Bourrièche. Tais-toi, Virgile. Ça ne fait rien, nous partagerons le mien. C'est Guilhem. Quoi? C'est Jupiter. Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive encore? Eh bien, il s'est blessé au patiron gauche. Il est bête comme un âne, ce cheval. Mais, vas-y, ne t'inquiète pas pour moi, je reste avec Isabée. Allez, va t'occuper de ton imbécile de cheval. Jupiter n'attend pas. On va tous raconter. J'aurais dû t'emmener. Tout va bien, Annette? Tout va bien, madame. Je vais dire qu'on nettoie ça tout de suite. Ah, j'avais oublié à quel point les bois de Beaudésert prennent cette couleur d'or en automne. Une splendeur. Et votre maman? Maman ne va pas très bien. Son cœur, toujours. Elle a eu un petit malaise hier en rentrant de la promenade. Il faut que j'écrive absolument à l'oncle Élie. Il n'y a que lui qui puisse la convaincre de se soigner vraiment. Elle m'a dit de t'embrasser très fort.
Isabée, comme tu es sensible, ma chérie. Maman est délicate, c'est vrai, mais elle n'est pas malade. Il faut simplement veiller sur elle, et c'est ce que nous allons faire. Vous voulez vous changer pour dîner? Oui, je vais mettre la robe de Lucien Lelong que je n'ai encore jamais portée. Tu penses qu'elle va lui plaire? Monsieur Dazérac, vous allez avoir affaire à moi. J'ai l'impression d'être partie une éternité. On recommence plus jamais. Promis. Tu vas déchirer ma robe. Bravo, un modèle de Lucien Lelong. Tu vas quand même pas me violer. Annette, je crois qu'il serait bon de fermer la fenêtre. Oui, madame. Nous avons eu notre part de bonheur. Maintenant, c'est le tour de nos enfants. Enfin, quand même. Survivre au sien, Dieu ne devrait pas le permettre. Mon Dieu, quelle douleur. Madame. Ça va faire 3 ans en septembre que Léopoldine est partie pour New York. 3 ans. Elle reviendra. Mais quand? Alors tu vois. Le bonheur d'Amélie et de Guilhem, leur amour pour moi, c'est la vie. Vous ne pouvez savoir à quel point je partage le bonheur d'Azerac. Vous êtes si belle, mon enfant. Et Guilhem est si heureux. Alguna novedad sobre Faustina, Guilhem? Pienso a menudo lo que Teresa debe estar sufriendo. Me siento un poco culpable. Al fin y al cabo fue yo quien presentó a ese torero. Es el destino, duquesa. No es culpa suya. Y mi abuela nunca dejó de considerarla como una amiga. Hágale llegar todo mi afecto. Y surtout, soyez heureux. Bien espagnol. Petite famille, hein? Oui, c'est vrai. Vous êtes parents des rois d'Aragon. Nous sommes parents. Si, seigneur. Qui est-ce?
C'est la belle-sœur du préfet. Elle vient souvent en Camargue, elle adore les taureaux. Heureusement parce que j'ai un service à demander à son beau-frère. Tout le monde t'aime. Surtout les femmes. Tu veux tout savoir? Bien sûr. Tu vois la jeune femme un peu trop maquillée là-bas? C'est la petite amie de Fernand. Fernand a une petite amie? S'il en avait qu'une. Tu l'as pas reconnue? Non. Fanette Fortuny. Mais oui, c'est vrai. Je l'ai vue dans Carmen, elle était magnifique. Je vous demande pardon, monsieur Dazérac. Pardon, madame Dazérac. Je vous ai aperçu et je veux simplement vous parler de la digue. Monsieur Valade est l'entrepreneur qui étudie les travaux pour la réfection de notre digue sur le Rhône. Oui, bonjour, monsieur Valade. Là où les terres sont inondées à chaque crue? C'est ça. Malheureusement, les travaux vont dépasser le chiffre que nous avions envisagé. Ah. Et de beaucoup? Pas mal. Aucune importance. On continue, monsieur Dazérac? Bien sûr, monsieur Valade. J'ai beau être nîmoise, je suis toujours malheureuse au moment de la mise à mort. C'est pour ça que tu aimerais la course camargaise. Chez nous, on ne tue pas. Il est fier depuis qu'il est marié, le baron. Même qu'il fait celui qui ne nous connaît plus. C'est sa femme, la brunette? Non, la blondine. N'importe, elles sont bien toutes les deux. Eh, vous, Brutus, bravo! Bravo, Brutus! Bravo! Guilhem avait raison. Autant je souffre à la corrida, autant j'aime la course camarguaise, surtout quand nos bêtes l'emportent. Une vraie femme de maladier, n'est-ce pas? Ça va? Oh non. Enfin, n'ayez pas peur, c'est un veau pour les enfants. Allez, ça vous tente? En tout cas, si vous avez besoin d'un docteur, je ne suis pas loin. Je vais prendre des nouvelles de notre divin Brutus. Il dit ça, mais en réalité, il va rejoindre sa divine Carmen. Regarde. Je ne sais pas qui c'est. Fanette Fortuny. La cantatrice? Oui, c'est sa bonne amie. Guilhem m'a même dit qu'il en avait plusieurs. Quand on est célibataire, forcément. Et puis la dame en mauve, très chic. C'est la belle-sœur du préfet. Une connaissance utile. D'ailleurs, quand les travaux seront terminés, je donnerai un grand dîner. J'ai beaucoup de chance qu'il m'ait choisi. Tu te rends compte? Tu sais, s'il ne m'aimait pas autant qu'il m'aime, je crois que j'en mourrais. Enfin, on retrouve Azerac. Quelle résurrection! Et encore, c'est pas fini. Je vais racheter le Madeiroso. Les Bourrièges seront d'accord? Avec le prix que je leur en offrirai, ils seront d'accord. Oui, mais enfin, il n'y a pas que les Bourrièges qui doivent être d'accord, il y a aussi... Amélie? Bien sûr qu'elle sera d'accord. Non, non, je pensais pas à Amélie, mais à son oncle. Et alors? Et alors? Il est terrible, l'oncle Élie. Il voit sa nièce heureuse, il en demande pas plus. Ah tiens, on a de la visite. Ah, une charmante cavalière. Mais c'est Fanette. Ah, c'est Fanette et la belle-sœur du préfet. Tu sais que tu lui plais beaucoup. À qui? Bah, Fanette, peut-être, mais à la belle-sœur, ça c'est sûr. Tu m'emmerdes. Thank you.
Quand je suis venue il y a 50 ans, mon Dieu, déjà. Je n'imaginais pas que mes abeilles alsaciennes se plairaient autant à Azerac. C'est avec vous qu'elles se plaisent, grand-mère. Toutes ces petites belles au bois dormant qui attendent la primevère à l'abri de la ruche. C'est magnifique, la nature. C'est magnifique. Et tous ces bébés abeilles invisibles qui s'envoleront dans le ciel de l'été. C'est magnifique. Magnifique. Quand j'aurai mon petit garçon... Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas mariée. Peu importe, quand j'aurai mon petit garçon... Est-ce que je pourrais avoir un enfant? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que si je ne pouvais pas, ce ne serait pas juste. J'ai commencé ce matin un nouveau poème pour Isabée. Je vais du reste devoir vous quitter, grand-mère, pour terminer les deux vers qui me manquent. Je vous les lirai à l'heure du thé. J'espère que Fernand voudra bien me le publier dans la branche des oiseaux. Je n'ai jamais rien fait de plus beau. Guilhem m'a dit qu'il avait vu une cigogne attardée près de l'étang des Launes. Elle se reposait avant de franchir la mer. Elle venait peut-être de chez vous, d'Alsace? Sûrement. Vous savez, ma mère, j'aime vivre à Azerac. Tu as épousé Azerac, comme je l'ai fait il y a bien longtemps. Un jour, tu auras un fils, et une jeune femme viendra à son tour, et ton fils glissera un anneau à son doigt. Notre ancêtre, Dame Chevalier, oh, je dis notre ancêtre, mais en fait, les femmes d'une même famille n'ont jamais une ancêtre commune. Elles sont des étrangères venues d'ailleurs pour perpétuer la dynastie. Elles ajoutent leur sang, celui du nom, au sang des hommes, et en fait, ce sont elles qui font et défont les familles, comme les royaumes. Dame Chevalier, la belle Flamenca, le premier seigneur, nous a apporté une devise qui devrait être celle de toutes les femmes. Eternidad. Car nous sommes éternelles, Amélie, il ne faut pas l'oublier. Tu devrais encore laisser pousser tes cheveux. Vous pensez que cela ferait plaisir à Guilhem? Ah, ce qui ferait plaisir à Guilhem, surtout, c'est de te voir en arlésienne. Et vous, pourquoi ne portez-vous jamais le ruban? Quand j'avais ton âge, mon mari préférait me voir en dame de la ville. Worth, Redfern, Doucet. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Et la terre s'est vengée. C'est fini tout ça. Tu es venue et Guilhem a repris les rênes. C'est un fameux mari que tu as là, hein? Il t'aime. Il n'en revient pas de t'aimer à ce point. Ah, Annette, qu'est-ce que tu nous apportes? La pelisse de madame. Au cas où elle voudrait sortir. Il fait froid dehors, comme si le Rhône allait geler. Nous parlions coiffure. Oh, madame Amélie, vous allez vous faire pousser les cheveux? Oui, pourquoi pas. Ah, c'est bien. Thé, le thé. Ça va vous faire du bien de boire du chaud. Isabée est la bienvenue. Tu veux un gâteau, Isabée? Non, merci. Moi, je meurs de faim par ce froid. Merveilleuse, vos merveilles, Annette. Merci. Une tasse de thé? Oh, du thé. Il faudrait que je sois à l'article de la mort pour boire ça. Que de fleurs au jardin d'hiver éclosent autour de la cheminée. Oh, c'est vrai, Virgile nous a promis un poème. Nous t'écoutons, mon chéri. Ce n'est pas ça, mon poème. Les deux vers que je viens d'improviser devant vous m'ont été inspirés par le bouquet que vous formez autour du feu. C'est déjà joli, ça promet. Mon poème est mieux. Le secret. C'est le titre, le secret. J'y vais? Va, va. Le secret. Elle sait ce que moi j'ignore. Elle ignore ce que je sais. Entrez. Je cherchais Amélie. Virgile nous récite un poème. Alors dans ce cas... Reste, je t'en prie. Tu as les mains gelées. Isabée va te donner une tasse de thé. Non, non, merci. Le secret. Elle sait ce que moi j'ignore. Elle ignore ce que je sais. Je ne sais rien, mais subodore le parfum subtil d'un secret. Tu le caches en toi, jeune fille, et ce fardeau lourd à porter fait que moi qu'hier ton œil brille. Regarde-moi, que t'a-t-on fait? Où sont les rires et les trilles? Vers quels cieux sont-ils envolés? Vite réponds-nous, jeune fille, et délivre-toi du secret.
J'ai oublié de vous dire que ce poème était dédié à Isabée. Tu as un secret, Isabée ? Non, mais Monsieur Virgile a l'air de le savoir mieux que moi. Alors c'est un vrai secret, n'est-ce pas, Guilhem ? Je vous demande pardon, grand-mère, je vais aller quitter mes bottes. Effectivement. De la couronne d'épines pour les cagaroles. Je vais les chercher. Les piques ? Ce sont les épines du favier d'Amérique, celles de la couronne de notre Seigneur. Vous savez que le gros souper est un repas maigre, mais j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Plein de symboles catholiques. Les trois nappes blanches, les trois chandelles, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le blé de Noël, la bûche du fruitier. Et si la salade est frisée, c'est à cause des boucles de l'enfant Jésus. C'est charmant. Les 13 desserts figurent Jésus et les 12 apôtres, même Judas. Il y en a bien 13. Toujours. Et je préfère compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en manque un. C'est que le dernier n'est pas d'ici. C'est moi qui l'offre. C'est la recette du pain de Noël aux fruits confits que Madame nous ramena d'Alsace. Ah, le Noël de mon enfant, ça va là. Mon père nous réunissait sous le sapin, un sapin de notre forêt que nous étions allés couper sous la neige. Monsieur Hébrard, Alix. Voilà où nous avons passé la guerre, Monsieur Hébrard, dans cette pièce, serrée autour de cette table. Nous avions faim, froid, mais ces souffrances étaient peu de chose, auprès des chagrins que nous allions connaître. Quand la porte s'est ouverte sur l'homme noir, le jour même où nous attendions Romain, ma chère Alix, vous avez connu cette douleur. Et nous saluons la mémoire de votre époux. Pensons que nous les retrouverons un jour. Asseyons-nous, Monsieur Hébrard, sinon ils n'oseront jamais le faire. S'il vous plaît. Voilà, j'ai un cadeau, une surprise qu'on m'a chargé de vous remettre. Je reviens. Vous aimez les surprises, Monsieur Hébrard ? Rarement. Voilà, c'est une toile de Léopoldine qu'elle m'a chargé de vous remettre ce soir. Léopoldine ? La Camargue. C'est l'Annonciation en Camargue. Pourquoi dis-tu ça, mon chéri ? Je dis ce que je vois. Je fais des vœux pour que Virgile ait raison. Mais c'est une toile du peintre Léo. C'est ma petite fille, oui. Votre petite fille ? Très chère. Mon oncle. Mais je dis ce qui est, très chère. Ma banque vient de lui acheter 3 toiles chez Branstein à New York. Très chère, même en France suisse. Eh bien, tant mieux. Elle expose actuellement à Barcelone chez Lopez Garcia. Monsieur de Gavalda s'est laissé séduire, lui aussi. Il peut vous dire ce que ça lui coûte. Et comment va monsieur de Gavalda ? Eh bien, pour l'instant, il nous prépare un recueil de poésie. Bien, bien. Anthony ne m'avait jamais dit que cette très chère Léo était votre petite fille. Ça ne va pas, Isabée ? Si, si, ça va. Ouf, un étourdissement. C'est l'émotion. Ça va aller. Oui. Ne vous dites rien. Ça
Je gâcherai la fête. Zabé. Fernand. Allez, venez. Zabé, on vous attend pour trinquer. En cette nuit de la nativité, en ce premier Noël que partagent nos familles qui n'en font plus qu'une, j'unis le souvenir de nos chers disparus aux vœux que je forme pour notre avenir. Il s'inscrit désormais dans l'amour de nos deux enfants, Guilhem et Amélie. Longue vie à Azerac. Longue vie à Azerac. Et que crèvent tous les bourriers. Guilhem, le soir de Noël. Pour que nous reprenions les terres qu'ils nous ont volées. Surtout ça. Surtout ça. Alix, promets-moi de te soigner. Promis. Et comme on dit chez nous, allant qui vient. Et si nous ne sommes pas plus que nous ne soyons pas moins. Une année bourdonnante de miel pour vous, grand-mère. Les plus beaux orages et les plus beaux poèmes pour toi, mon chéri. Puissiez-vous être heureux, monsieur Baron. Jeune fille, je vous promets une parure de poèmes. Alors, il faut que je vienne vers toi. T'as l'air figé, on dirait une statue de sel. Oh, mais tu me reconnais, oui? Que le ciel protège Azerac. Ça résume tout, non? Tu crois pas? Monsieur Hébrard, je n'ose vous convier à vous joindre à nous dans la chapelle où nous attendent les bergers. Parce que vous supposez que notre Seigneur est né uniquement pour le salut des papistes? J'ai vraiment vu mon oncle, c'est gentil. C'est une idée catholique, ça. Nous ne sommes pas sectaires. Mon père avait coutume de dire « Hinter de Berg sind auch Leute », ce qui veut dire… Derrière la montagne, il y a aussi des gens. Vous parlez notre dialecte? Assez pour dialoguer avec votre cigogne. Monsieur Hébrard, ich bin von Ihren Gespräch ganz begeistert. Ich hoffe, Madame d'Azerac, dans mes animaux Bürgerstein wien, ich werde dies wasches Xodaps. Gramassi, père les pauvres gardiens. Si vous ne parlez pas provençal, parlez français, mais on veut comprendre. C'est un début de flirt, à votre avis? Je voudrais avoir le sentiment d'un spécialiste. Dis donc, Guilhem, si c'est toi qui me fais cette réputation auprès de ta femme, eh bien, écoute, je te remercie. Eh bien, c'est l'heure. Nos gardiens sont là avec leurs enfants. Guilhem va vous montrer le chemin de la chapelle. Isabelle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle t'a parlé tout à l'heure à l'office. Non. Ah, alors c'est moi qui ne vais pas bien, c'est la tête. Viens me voir dès que tu pourras. J'ai besoin de parler avec toi. Mes très chers frères, nous sommes réunis en cette nuit de Noël pour célébrer la naissance de l'enfant. Et qui célèbre l'enfant, célèbre la mère. Car il n'y a rien de plus beau, de plus sacré que la venue d'un enfant. Par cet acte de foi et d'amour, l'homme et la femme, unis par le sacrement du mariage, donnent la vie et réalisent ainsi le dessein de Dieu. En cette nuit de Noël, que la joie et la paix du Christ entre dans vos cœurs. Alléluia, alléluia. C'est ce pot de confiture. Ce pot de confiture? Oui. Qui a éclaté sur le sol de l'entrée, au moment où Guilhem l'a tendu à la petite Isabée. Et Virgile qui a dit, en voyant tous rouges au bas de l'escalier, c'est le sang de Charles. Tu te souviens?
Charles Bourriège, qui s'est tué à cet endroit. Je me demande pourquoi il a dit ça. Vous savez, Virgile part souvent sans intention. Je suis pas sûre. C'est comme ses poèmes dont il accable Isabée. Qui, entre parenthèses, n'a presque pas touché au gros souper. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, ça m'a frappée. Virgile non plus, mais lui, c'est parce qu'il l'a dévoré des yeux. Elle avait l'air ailleurs. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Vous parliez de poèmes. Il la persécute avec ses poèmes. Il ne s'en rend pas compte. Il paraît même qu'il l'a fait pleurer. Virgile? Oui, c'est Annette qui me l'a dit, pendant que nous étions à la montagne. Il l'a fait pleurer. Il a un sentiment pour cette petite, c'est sûr. Mais où est-ce que ça nous mènera? Bon, rassurez-vous, pas bien loin. Oh, je ne sais pas. L'autre jour, nous marchions dans le parc, tous les deux. Et tout à trac, il m'a dit... Grand-mère, quand j'aurai mon petit garçon? Il vous a dit ça, oui. Et ça m'a tellement retourné que j'en ai rêvé, du petit garçon. Un cauchemar. Le jour tombait. Il marchait devant moi sur le chemin des abeilles, habillé comme Guilhem quand il était petit. Je voulais qu'il se retourne pour voir son visage. Et je ne pouvais pas me souvenir de son nom. C'était affreux. Et tout d'un coup, Isabée, justement, qui vient vers nous, elle lui tend les bras et se jette sur elle en criant « Maman !» avec la voix de Virgile. Je me suis réveillée. Avec le cœur qui battait tellement fort. J'y pensais toute la journée. J'arrivais pas à m'en remettre. Tu te rends compte? Et depuis, pour tout te dire, mais ça te le garde pour toi, je ne vois plus Isabée de la même manière. C'est comme si elle cachait vraiment un enfant sans visage, quelque part, dans la maison. Quand je te dis que je perds la tête, j'ai pas l'air si affectée. Je vais finir par croire que c'est vrai. Veille aussi sur Guilhem. Sur Guilhem? Oui. Pourquoi vous me dites ça? Parce que tu es son ami. Le seul qu'il est. Tu tombes à pic. Viens par ici. Bon, attends. Qu'est-ce que tu as? Elle vient d'avoir comme un malaise. Je voudrais que tu l'examines. Amélie? Non. Non, non. Non, Isabée. Je passais dans le salon, elle tenait plus debout, j'ai cru qu'elle allait tomber. Enfin, heureusement, personne n'a rien vu, elle est montée dans sa chambre. J'ai peur qu'elle soit enceinte. Elle est enceinte. Comment le sais-tu? Elle a eu la même chose le soir du gros souper, quand j'étais dans l'office. Oh, merde. C'est toi? Réponds, c'est toi? Je peux pas t'expliquer. C'est un accident. Un accident? Mais t'es complètement fou, qu'est-ce qui t'a pris? Tu te rends compte que si Amélie l'apprend, elle en mourra? Justement, je compte sur toi pour... Pour? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, je compte sur toi pour... Il faut pas qu'elle le garde. Guilhem, ne me parle plus jamais de ça, tu m'entends? Plus jamais.
la voiture. Tu pars? Bonjour, mon amour. Bonjour. Et tu vas où? À Nîmes, voir maman qui est souffrante. Et je galope depuis Brasinverse pour déjeuner avec toi. Et tu pars? Je pouvais pas deviner. Tu es partie de si bonne heure ce matin. Tu ne m'as rien dit. D'ailleurs, tu ne viens jamais. Je viens quand je peux. Et je veux trouver ma femme chez moi si je rentre. Reste. Guilhem, je peux pas. Maman est souffrante. Pour une fois que je rentre déjeuner. Justement, je pouvais pas deviner. Une dernière fois, je te demande de rester. Guilhem, sois raisonnable. Je serai de retour dans 2 jours, peut-être même demain. Non, je ne compte pas pour toi. Hein. Je ne compte pas pour toi. Comment peux-tu me dire ça? Je vais boucler ma valise. Mais c'est ça, laisse-moi. Va-t'en, ça m'est égal. Va-t'en. À qui parles-tu sur ce ton? Oh, grand-mère. C'est parce que ta femme s'absente, que tu es furieux? Elle se rend auprès de sa mère, qui n'est pas bien, quoi de plus naturel. Et même si tu étais contrarié, n'oublie pas que c'est Amélie qui a sauvé Azerac. Mais je le sais. Mais pourquoi es-tu si emporté? Tu as des problèmes avec la manade? Aucun. Tu te déplaces d'un point à un autre, comme si tu étais poursuivi par un essaim de guêpes. Qu'est-ce qui te tourmente? Rien, j'ai affaire, grand-mère. Eh ben allez, vas-y, va. Je suis pas en avance. Tu as tout bouclé? Oui, madame. Si Guilhem savait, il vient de me faire une scène de jalousie parce que je vais retrouver maman. Il a l'air brutal comme ça, mais en réalité, il est tendre, tu n'imagines pas. J'espère que le cœur de maman va tenir encore quelques mois. Quelques mois? Oui. Enfin, non. C'est pas ce que je voulais dire, je voudrais la garder toujours. Mais c'est parce que... Je te le dis à toi, j'en suis pas encore sûre. Mais je crois bien que j'attends un bébé. Bébé? Oui. Et puisque j'en suis aux confidences, sais-tu qui sera la marraine? Mais si, tu le sais. Ce sera toi, bien sûr. Et que tu saches combien je t'aime. Ce n'est pas rien, c'est votre secret, je le sais. Virgile, laissez-moi tranquille. Je vous laisse. Si quelque mal te déconcerte, cours vite où Sainte Marie, là tu auras soulagement. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, rien. C'est le maître qui a dit cela. Mistral. Il faut le croire.
cours bien vite, belle fleur. Allez, monte. Allez. Je ne te demande pas où tu vas. Je le sais. J'y vais aussi. Au Sainte ? Je te regardais marcher et c'était comme si je regardais dans ta main ouverte. Tu marchais comme quelqu'un qui fuit sa peine. Et quand la peine nous a choisis, elle nous accompagne jusqu'au bout du monde. Alors il faut l'apprivoiser. Et la peine peut devenir une amie. Vous êtes seule ? Non. Mon homme est couché, derrière. Il va mourir. Mais il veut mourir au Sainte. Peut-être qu'il guérira. Tu dis la bonne aventure, fillette. Comme une caraque. Non. Il ne guérira pas. Je le sais. Maintenant, tu vas continuer à pied. Moi, je dois retrouver les miens. Au camp, au bord de la mer. J'aimerais vous payer pour le voyage, madame. Bien sûr, fillette. Rien n'est gratuit. Tu prieras pour nous. Et les saintes t'écouteront. Parce que tu es pure. Hey ! Qu'est-ce que tu fais là, petite ? Je vous demande pardon. Vous pouvez me confesser ? Ce que... Maintenant ? Ça m'arrange pas bien. Le fils d'Estar m'a promis une balaste d'anguilles. Mais qui sont tes gens ? Je ne t'ai jamais vu. Je suis pas d'ici. C'est grave ce que tu as sur la conscience. Hé, tu m'entends ? Tu as l'air toute chose. Donc se confesser d'un péché que l'on n'a pas commis. Oh, toi, tu as de la peine. Adieu les anguilles, elles peuvent attendre. Pas toi. On t'a fait du mal. Allez, ouvre ton cœur. Ici, petite, tu es chez les grandes saintes, les belles marinières du bon Dieu. Mais tu es aussi chez Mireille. Je ne peux pas. Attends, dis-moi seulement ton nom de baptême. Isabée. Ce n'est pas à moi que tu dois dire ta peine, Isabée. Je n'en suis pas digne. Si tu es venu de si loin jusqu'ici, c'est que les grandes saintes t'espéraient. Elles savent tout. Aucune douleur ne peut les surprendre, elles qui ont vu mourir notre Seigneur sur la croix. Tu sais, elles l'avaient tenu dans leurs bras quand il était petit. Alors tu penses. Et pour faire bonne mesure, avant que leurs larmes ne soient sèches, on les a jetées à la mer, dans une méchante barque. Et là, dans la tempête qui les roulait vers la mort, qui aurait pu garder l'espoir ? Personne, sauf elles, les saintes dames. Et maintenant, regarde. Ils attendaient le rivage. Elle est sortie de la mer, leur église, pour toi, Isabée. Pour que ton courage fleurisse et te sauve. Ne juge pas la providence. Pour comprendre, il ne manque la lumière.
Mais la lumière se prépare au fond de la plus profonde nuit. Obeli Santo Manituso, Santo de Dio, Santo Amistuso, Dakello Pawotsate, Age, Ages Pieta. Tu as bien fait de venir. Isabée, dis-toi bien une chose. Dieu n'abandonne jamais de demain. Ah, te voilà, ma belle. Je me demandais où tu étais passée. Vous ne devineriez jamais. Oh, mais tu as bonne mine. Tu es fraîche comme le printemps. Je suis allée mettre un cierge au Sainte-Marie de la Mer. Au Sainte-Marie ? À pied ? Une bohémienne m'y a conduite et un tonnelier m'en a ramené. Madame est rentrée de Nîmes ? Et non, elle a téléphoné qu'elle dormirait là-bas. Sa maman ? Madame Amélie a dit que surtout on ne s'inquiète pas, que tout allait bien, mais qu'elle ne rentrerait que demain. C'est Monsieur Guilhem qui va en faire une tête. Tu te souviens quand elle est partie dans les Cévennes ? Oui, oui. Il n'avait même pas voulu dormir à la maison. Ah, que je n'oublie pas, j'ai déposé le panier de dentelle dans la lingerie. Tu verras ça demain. Non, maintenant. N'ayez pas peur. Je regrette. Vraiment, je regrette. Il faut oublier tout ça. Je sais pour... Vous ne pouvez pas garder cet enfant. Je chercherai quelqu'un pour vous débarrasser. Rache ou un autre, on s'arrangera. Et plus tard, je vous marierai, c'est promis. Mais ce sera rien passé. Faites-le pour Amélie. Nous verrons ça demain. Thank you.
Quelles que soient les blessures de l'hiver, la nature va toujours vers le printemps. Mais la floraison des lys de mer et des asphodèles, le triomphe du renouveau et le retour des migrateurs ne peuvent chasser la tristesse qui s'est abattue sur Azerac. Isabée a disparu. Alix est morte. Amélie est inconsolable. Tu es encore là, ma pauvre chérie. Tu te ronges. Pourquoi est-elle partie? Elle a disparu, comme dans un conte. Un conte de mauvaises fées. Pourtant, j'espère toujours qu'elle va revenir, que ce n'est qu'un vilain rêve. Si elle avait voulu qu'on la retrouve, nous l'aurions retrouvée. Tu sais bien que les recherches n'ont rien donné. Et Dieu nous est témoin. Nous avons remué ciel et terre. Elle doit être loin. Quand on se noie dans le Rhône, Guilhem m'a dit que c'est arrivé à l'un de ses chevaux. Il paraît que parfois le courant vous emporte jusqu'à la mer et qu'on ne vous retrouve jamais. Elle ne peut pas m'avoir abandonnée. Si elle l'avait fait, elle serait revenue quand maman est morte. Ma mère. Que serais-je devenue sans vous? Vous êtes si tendre, si bonne. Depuis que j'ai perdu maman et Isabée, je me sens si seule. Tu as Guilhem. Oui, Guilhem. Il est merveilleux. Mais c'est un homme. Nous autres femmes, nous avons besoin les unes des autres. Ne cours pas, ma chérie. Je l'ai vu. Qui? Tout à l'heure, à Nîmes, j'étais allée au cimetière porter des fleurs et tout d'un coup, sur la tombe de maman, je vois une femme en noir. C'était elle, mon Dieu, c'était elle. Mais qui? Et enceinte plus que moi. Isabée, tu es sûre? Sûre, quel choc! J'ai couru, je voulais tellement la retrouver. Tu ne t'es pas trompée? Impossible, c'était elle, tout en noir, en deuil de maman. Mon Isabée, maintenant j'ai tout compris. Je sais pourquoi elle s'est enfuie d'Azerac, parce qu'elle était enceinte. Enceinte? Et comment? Je vais tout de suite en parler à Guilhem. Enceinte? Oui. Mais enceinte de qui d'abord? Tu le sais aussi bien que moi. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu me soupçonnes? Mais non, mon chéri, pas du tout. Tu es fou. Mais de qui alors? Je vois pas. Ça me gêne. De Virgile, bien sûr. Virgile? Mais oui, il était tout le temps après elle quand nous allions en pique-nique. Il la lâchait pas d'une semelle, c'en était gênant. Et puis son exaltation, ses poèmes. Un jour, rappelle-toi, il a parlé d'un secret dans un de ses poèmes. Et puis les pleurs de la petite. Les pleurs? Et oui, c'est Annette qui me l'a dit.
pendant que nous étions un beau désert avec ta grand-mère. Tu n'as rien remarqué? Non, rien. Puis j'étais si peu là. Et en admettant que les choses se soient passées comme tu les imagines, qu'est-ce qu'on peut faire? La retrouver, la pauvre. L'enfant qu'elle porte est un Azerac. Ah non, ça jamais. C'est toi qui portes un Azerac, toi seule. Un bâtard, jamais. Et puis, il faudrait être sûr quand même. C'est pour ça qu'il faudrait la retrouver, ne serait-ce que pour savoir. Puis on peut pas faire confiance à Virgile. Et tu n'as parlé de ça à personne? Non, juste à ta grand-mère. Tu as bien fait. Bon. Il faut que je me prépare, hein, je vais arriver d'un moment à l'autre. Je te laisse. J'y pense. Fernand a des relations. Il pourrait peut-être... Non, surtout pas. Rach est un bavard. Non, non, fais-moi confiance, je vais démêler cette affaire. Pense d'abord à l'enfant que tu portes, c'est lui qui compte. Laisse-moi faire. Mais surtout, tu ne dis rien à personne. À tout à l'heure. Tu as examiné Amélie, tout est normal? Oui, oui. À condition qu'elle soit raisonnable. Elle t'a dit qu'elle était à Nîmes cet après-midi? Oui. Alors, tu es au courant pour Isabée? Oui. On dirait que tu sais quelque chose, mon petit Fernand. Amélie a dit qu'elle était enceinte. Très enceinte. C'est vrai. C'est pour ces jours-ci. Et c'est moi qui l'accoucherai. Et pourquoi tu nous as rien dit? Tu as vu le désespoir d'Amélie, tu nous as vu chercher, tu as même cherché avec nous. Oui, mais au début, je ne savais rien. Il y a 3 mois, le docteur Volumard a eu un accident et je l'ai remplacé. Et un jour, j'ai débarqué chez une dame. Elle est mariée? Oui. Mais je ne puis vous dire le nom de son mari ni l'endroit où ils habitent. Elle a décidé d'oublier Azerac. Ce que tout le monde ignore, c'est que quand elle est partie d'ici, c'était pour aller se jeter dans le Rhône. Je comprends. Maintenant, je sais qui est le père de cet enfant. Toi aussi, tu le sais. Dieu merci, Amélie s'est mis dans la tête que c'était Virgile. Eh bien, laissons-la dans son erreur, ça vaut mieux pour elle. Ma chérie, entre. Tu veux quelque chose? Non, merci. J'ai entendu mon nom. J'ai cru que vous m'appeliez. Je descendais. Ne t'en va pas! Vous croyez que... David, tu es en retard. T'es au courant pour Amélie? Cet après-midi à Nîmes. Qu'elle a vu Isabée, oui. Mais c'est terrible, elle s'est mise en tête de la retrouver. Et t'as peur qu'elle apprenne la vérité? Et toi, à ma place? Sûrement pas. T'as autre chose à me dire? J'ai pensé que tu savais peut-être des choses. Je sais tout, mais je te dirai rien. Crois-moi, t'as déjà assez fait de dégâts comme ça. J'ai le droit de savoir, quand même. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Ce qu'a fait Isabée la nuit où elle s'est enfuie d'Azerac? Elle est allée se jeter dans le Rhône. Un homme l'a sauvée, cet homme l'a épousée. Maintenant, ils sont heureux. Ça te va? Tout ça, c'est de ta faute. De ma faute? Ouais.
Si t'avais accepté de m'aider, on ne serait pas là. Évidemment, si elle était restée au fond du Rhône, tu serais plus tranquille maintenant. Mais elle a été sauvée, elle est mariée et elle attend ton enfant. Alors fous-nous la paix, compris? Adieu. Amélie ? Amélie ? Amélie ? Amélie ? Amélie ? Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir ? Pourquoi tu réponds pas ? Pas bien? Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'il aime. Dis-moi la vérité. Bien sûr, ma chérie. Plus que tout. Ne pleure pas. Dans un mois à peine, le bébé sera là. J'ai hâte qu'il arrive. Moi aussi, je t'aime, tu sais. Merci, Annette. Tu lui as porté son bouillon? Oui, madame. Elle l'a bu? Je ne sais pas. Ça fait 2 jours qu'elle n'a rien mangé. Hier, elle a fait quelques pas dans sa chambre. Puis elle est restée un moment à sa fenêtre comme si elle guettait quelque chose ou quelqu'un. Puis elle est retournée à son lit. J'ai appelé le docteur Rache que madame me l'a demandé. Mais il n'était pas là. Il est parti très tôt ce matin pour un accouchement. Il viendra ici dès que ce sera fini. Chez qui l'accouchement? Un certain monsieur Karl, on m'a dit. Grand-mère? Est-ce que vous voulez que je vous fasse la lecture maintenant ou après l'orage? On va avoir un orage. Un orage épouvantable. Avec la main, ce que l'on cueille se flétrit, se brise ou s'effeuille. Il faut, si l'on veut être heureux, prendre les fleurs avec les yeux. Un jour, deux beaux enfants dans un jardin superbe, en se donnant le bras, tout doucement marchaient. Ils allaient sur le sable et ne foulaient pas l'herbe. Et sans les arracher sur les fleurs se penchaient.
Amélie est pas bien du tout. Elle est dans sa chambre. Où veux-tu qu'elle soit dans son état? Ça fait des heures qu'on t'attend. Qu'est-ce que tu foutais? Ce que je foutais? J'arrive de chez Isabelle. Et si ça t'intéresse, t'as un fils. Les draps et les serviettes, vite! Il y a un matelas, dépêchez-vous! Va-t'en! Un oreiller! Je ne veux plus jamais te voir! Mais la mer est détruite. Et rien ne lui donne plus le goût de vivre. Pas même la douce chaleur du petit corps entre ses bras. De l'autre côté de la Camargue, merveille. Brutalisée par la vie, Isabée a repris goût à l'existence avec l'homme qui l'a sauvée et qui donne son nom au petit Pierre. Pierre-Carl est né. Allez, vas-y. Voilà. Touche-le, touche-le. Regarde, touche-le. Voilà. Tu as vu? Pour qui ce morceau? Pour mon papa. Et celui-là? Pour oncle Virgile. Merci. Arnaud ne sait pas que les femmes passent d'abord. Et celui-là? Pour grand-mère. C'est Annette. Oh, je crois bien que j'ai la fève. Alors maman est reine, vive la reine! La couronne? Un grand baiser. Vous allez bien, maman? Et moi, j'en ai pas du gâteau, on m'oublie. Oh non, Annette, je t'en donne un gros morceau, gros comme toi. La journée est finie. Très bien. Et tu sais ce que ça veut dire? Voici l'ombre, cheval. La journée est finie. Très bien. Tu sais, quand j'étais petit, on m'a offert un cheval. Il s'appelait Capitaine. Il est parti à la guerre et puis il n'est jamais revenu. Jamais? Jamais. Les chevaux, Arnaud, il faut les aimer comme ils nous aiment. Ils font partie de notre vie. Je les aimerai toujours, papa. Je vous le promets. Vous ne mangez pas assez, Amélie. Faut pas vous laisser aller.
Comment va Isabée ? Très bien. Elle pense à vous. Et son petit garçon ? Il grandit. Pierre, Karl. Oui. Elle est heureuse ? Apparemment, oui. Tant mieux. Ça prouve que Dieu existe. Oui, bien sûr qu'il existe. Par contre, je vous conseillerais de sortir un peu, plutôt que de rester cloîtré dans cette chambre. J'ai besoin d'être seule. Guilhem a de nouvelles maîtresses. Écoute, je vous en prie. Pauvre Fernand. Plus rien ne peut me faire de mal. Vous vous souvenez du bal à Barcelone, à la Casa Miracle ? À propos de Barcelone, vous avez eu des nouvelles de votre oncle ? Mauvaise. La guerre civile. Barcelone. Le prince charmant. Le plus important, c'est de penser à Arnaud. J'y pense sans cesse. Guilhem veut me le voler. Mais c'est moi qui gagnerai, quand je serai morte. Si vous continuez à dire des choses pareilles, je vais finir par vous gronder. Vous êtes gentil, Fernand. Sinon, je... Regardez-moi, Amélie. Sinon, promettez-moi d'être gay pour Noël. C'est important pour Arnaud. Ayons une pensée pour nos amis Gavalda qui sont dans la peine. Et pour ton oncle, ma chérie, qui n'a pas pu être des nôtres cette année. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Est-ce que vous aimeriez que l'an qui vient vous apporte une femme, oncle Virgile ? Je préfère me souvenir de ce qui n'a pas été. Et vous, maman ? Que désirez-vous ? Rien, mon chéri. J'ai déjà été comblée. Moi, je sais ce que je voudrais. Un petit frère. Amélie, ma chérie, toi qui es si musicienne, tu ne touches plus à ton piano. Joue-moi quelque chose pour me faire plaisir. J'ai épousé Azerac, ma mère. Et vous savez que moi, je ne trahirai pas. Mais vous savez aussi, et vous l'avez su bien avant moi, que ma vie est brisée. Ne revenons plus là-dessus et ne vous étonnez pas que je laisse mon piano fermé. L'air d'Azerac ne me convient plus. Je serais bien partie à Barcelone, mais la guerre civile en a chassé mon oncle. Je pense que je vais aller vivre à Nîmes, chez moi. Je vous serais très reconnaissante, ma mère, de faire part de ma décision à mon mari. Allô, Garbiano ? T'as où perdu, papa ? Allez ! Papa ! Papa ! Venez voir ! Elle est morte ? Oui. On va l'enterrer par respect pour la manade. Pour que les bêtes viennent pleurer sur sa tombe. C'est l'usage chez les bureaux. Et le petit ? On peut l'adopter si tu veux. Comment tu l'appelleras ? Tout seul. C'est toi qui l'élèveras. Et on en fera le plus beau des Simbéos.
Tu sais ce que c'est un Simbeo? C'est celui qui dit ce qu'il faut faire aux autres taureaux. C'est celui qui vient les chercher dans l'arène avec sa belle cloche. Tu seras le roi des arènes tout seul d'Azerac. Et toi, tu régneras sur la Camargue. Tu seras le maître. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Dis-moi, mon petit Guilhem, bientôt Arnaud sera en âge d'aller au collège. Vous avez peur que j'en fasse un rustre? Rassurez-vous, grand-mère, il ira à Nîmes dès la rentrée d'octobre. Chez sa mère? Non. Non, il ira au collège où sont allés tous les Azerac, sauf moi. Et sa mère, il la verra les jours de sortie quand il ne viendra pas ici. Arnaud? Avant que tu ne nous quittes pour le collège, je souhaiterais te faire chevalier. C'est quoi faire chevalier? C'est préparer à l'honneur. J'aimerais bien être préparé à l'honneur. Mais je peux t'armer chevalier si tu veux. Ah oui, d'accord. Attention, c'est un engagement. Après ça, tu seras pour toujours sans peur et sans reproche. Comme papa? Comme papa, oui. Allez, viens, suis-moi. Autrefois, le chevalier passait la nuit en prière. Ça s'appelait la veillée d'armes. Nous n'avons pas le temps. Maintenant, mets un genou en terre et joins les mains. Je devrais avoir une épée, mais je n'en ai pas. Ça fait rien. Je tiens une épée invisible. Tu la vois? Bien sûr, elle brille. Oui. Beau neveu, gentil sire d'Azerac, vous qui servez l'honneur et l'Église, nous allons vous donner la collée et vous adouber devant Dieu. Soutiendrez-vous le faible? Combattrez-vous tout mal? Défendrez-vous tout bien? Oui, de par Dieu. Oui, de par Dieu. Alors au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, moi, Virgile d'Azerac, je vous fais chevalier. Entrez. Mon chéri. Maman, je suis premier, maman. C'est bien. C'est très bien. On t'apprend peut-être beaucoup de choses à l'école, mais c'est pas une raison pour oublier ce que moi je t'ai appris. Les livres, c'est beau, mais la bouvine... Tiens. C'est une dame? C'est même une grande dame. Et un grand manadier. Elle n'a pas de trident? La courtoisie, Arnaud. On laisse toujours son trident à la barrière quand on entre chez les autres. C'est la tradition. Ouais. Mais qui t'a appris ce mot? Oncle Virgile, il sait beaucoup de choses, beaucoup de mots. Il m'a fait chevalier l'année dernière. Ton chapeau. Adieu, mon beau. C'est ton fils? Oui. Il est brave. Il se tient déjà ferme le jour venu. On va le voir au tournoi? Ah, non seulement on y verra, mais en plus, il gagnera. Dis, tu n'as pas vu ma jument fantasque? Une bourrique qui porte bien son nom et qui n'a jamais voulu respecter une clôture. Ah ben, ne cherchez plus, Fonfonne, regardez, on vous la ramène. Que deviennent nos amis catalans, Guilhem, avec cette guerre civile? L'oncle de ta femme doit savoir. Monsieur Hébrard vit à Genève, maintenant. Il est resté en contact avec Robert de Gavalda, qui est toujours à Barcelone. Il est très engagé avec les Républicains. Pauvre Cavalda, dont le pays est déchiré. Lui qui rêvait des États-Unis d'Europe. Enfin, peut-être qu'un jour, si tu le peux, dis-lui mes amitiés. Adieu, Guilhem. Merci et porte-toi bien. Ça m'a fait plaisir de connaître l'héritier. Et là, l'étoile sur le front. Quand il sera un peu plus grand, tu me l'enverras? Pour un prince, c'est toujours bon de servir chez les autres. Je lui ferai la vie dure. Adieu, ami. Adieu. Pourquoi maman ne montait jamais à cheval comme la dame? Parce que ta mère... elle est un peu fragile. Comme oncle Virgile? Si tu veux. Pourtant les bio n'ont pas fait de mal à maman? Non. Non, pas les bio.
Allez, viens. Prix d'excellence. Bravo, mon chéri. Ça mérite un cadeau. As-tu envie de quelque chose? Oui, maman. Dis-le et tu l'auras. C'est promis. Je voudrais que... Oui? J'aimerais que vous veniez me voir au tournoi. Le tournoi des enfants. C'est Thomas Blanc. Papa a dit que je gagnerais. J'aimerais que vous soyez là. Tu sais, je n'aime pas beaucoup quitter Nîmes. Il y a longtemps que je ne suis pas retournée en Camargue. Ne préfères-tu pas un autre cadeau? Bon. J'ai promis, je viendrai. L'enfant heureux se réjouit. Sa mère revient. Elle sera auprès de Guilhem le jour du tournoi. Tu vois, les gens t'admirent déjà. Je vous réserve une petite surprise, papa. Une surprise? Mais ce ne sera pas une surprise, je sais que tu seras le vainqueur. J'essaierai en tout cas. Tu dois gagner, Arnaud. Tu es le meilleur. Si tu ne gagnes pas, tu n'es plus mon fils. Je gagnerai, papa. Allez, va t'habiller. C'est bien. C'est bien, Amélie, d'être venue. Il ne faut pas que vous restiez renfermée. C'est Arnaud qui a insisté. J'en avais guère envie. Je ne suis pas une bonne mère. Ça lui faisait tellement plaisir. Bon, il faut que je rejoigne le jury. De toute façon, on se voit tout à l'heure. C'est toi qui as fait venir Amélie? Non, c'est ton fils. Bonjour Amélie. Bonjour. S'embrasse. Si tu veux. Je m'attendais pas de voir ici. Ça te contrarie? Au contraire. Belle journée, hein? Oui. Ça te dit bien de sortir. C'est ce que Fernand m'a dit. En bonne santé. Mieux. Ça me fait plaisir de te voir, Amélie. Je ne savais pas. Comme il te ressemble. Thank you.
longue délibération, le jury a décidé d'attribuer le veau d'or à Pierre Carles. Bien mérité, bravo. Allons le chercher. Je te laisse. Tu te détournes de lui parce qu'il n'a pas gagné. Je me détourne pas de lui, je me détourne de toi. Parce que tu portes malheur. Voilà le mauvais perdant. Ma parole, il pleure. On va lui décerner le veau des larmes. Laisse-le tranquille. Moi, je sais pourquoi il prend sa défense. Parce qu'il s'est bien battu. Il y a autre chose, mais je le dirai pas. C'est quoi, c'est quoi? Mystère et boule de gomme. Voilà la maman. Où est papa? Il est rentré à Azerac. Sans moi? Ne sois pas triste. La prochaine fois, tu gagneras. Hey, ah, il se bat. Ouais, allez, non. Pierre, allez. Pierre. Allez, vas-y, Pierre. Allez, Pierre. Vous battez pas. Ouais. Allez, vas-y, Pierre. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Pierre, arrête. Non. Arrête, Pierre. Arrête. Arnaud. Viens. Arrête. Non, Arnaud. C'est ton frère. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas de frère, moi. Je t'expliquerai. Mon frère, laissez-moi. Madame, je suis Paul Carles et je voulais vous présenter mes excuses. Oh, monsieur. Monsieur. Dites bien, Isabec. Alors, le neveu? Mais fous-moi la paix! Oui, Arnaud. Avec sa mère? Non, il n'est pas avec sa mère. Rachet anime auprès d'Amélie qui vient d'avoir un malaise. Il a téléphoné pour demander si on avait vu Arnaud. Bientôt minuit. Où est Arnaud? Ne vous inquiétez pas. Il a fait une petite fugue parce qu'il était déçu. Ce n'est pas grave. Qu'il aime a raison. Je porte malheur. Allons, allons. Quand j'aurai repris des forces, j'irai voir Isabelle. Isabelle? Le Rhône. Le Rhône. J'ai peur. Ma mère est toujours madame la baronne. Et moi, à mon âge, je suis encore monsieur Guilhem. Arnaud, reste. Si tu ne fais pas pour moi, fais-le pour Azerac. Et mon fils unique. Vous savez bien que non. Je vous demande votre main. Et moi, je vous demande la main de votre fils. Je te veux et je t'aurai. Sortez d'ici avant que je vous tue. Sortez de chez moi.